Voilà, donc on fait un meet-up sur le Lightning pour répondre aux problèmes de scalabilité de la blockchain Bitcoin. On avait eu un meet-up la dernière fois avec Laurent Salin et Nicolas Bacca pour expliquer un petit peu ces problèmes-là. Et donc là, on rentre dans une phase où on va essayer de trouver les solutions et d'expliquer les solutions, donc dont le Lightning en est une. Et qui de mieux que Fabrice Drouin, CTO de A5, pour discuter de cela, vu qu'on a des champions français qui travaillent sur ce problème. Et donc je laisse la parole à Fabrice pour nous expliquer tout ça. Merci. Okay. Merci. Donc, bonjour à tous. Pour me faire une petite idée du public, est-ce que tout le monde connaît Bitcoin? Je suppose que oui. Est-ce que tout le monde a des Bitcoins? Si je vous parle de choses un peu plus techniques comme les UTXO et les scripts, est-ce que ça vous parle un petit peu ou est-ce que UTXO, vous ne voyez pas du tout ce que ça veut dire? Non, pas trop. Ok. Donc, Lightning, le réseau Lightning sur lequel on travaille, c'est une surcouche qui fonctionne au-dessus de Bitcoin. C'est basé sur le protocole Bitcoin. Donc Lightning ne peut pas exister sans Bitcoin en dessous. On appelle ça souvent Layer 2. Et ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles à faire avec Bitcoin directement, c'est-à-dire des paiements qui sont instantanés. Avec des fees qui sont très réduites et surtout d'avoir un nombre à peu près illimité de paiements, d'avoir un flux de paiement à peu près illimité, ce qui est très compliqué à faire sur la blockchain. Tout ça en restant trustless, c'est-à-dire Lightning fonctionne sans tiers de confiance, exactement comme Bitcoin. C'est une surcouche qui a des propriétés un peu différentes, qui fait des compromis différents, qui reste trustless et qui apporte un énorme gain en termes de scalabilité, en particulier en termes de flux de transactions. Pour l'utilisateur normal, ce qu'on essaye de faire, c'est que Lightning ressemble à l'expérience que vous avez déjà avec Bitcoin. Donc à gauche, vous avez un porte-monnaie Lightning. À droite, vous avez une requête de paiement. Ça ressemble à ce qu'on trouve aujourd'hui sur des porte-monnaies Bitcoin et des QR codes Bitcoin. Donc nous, on fait en sorte que pour l'utilisateur, l'expérience Lightning soit la plus simple possible et la plus proche de ce que vous connaissez déjà avec Bitcoin, même si le fonctionnement est assez différent en dessous. L'historique, la genèse du projet Lightning, c'est d'abord des canaux de paiement qui remontent à 2013, qui ont pratiquement jamais utilisé parce qu'ils sont très limités. On peut payer que dans un sens. Quelqu'un paye, l'autre reçoit les paiements et ça ne peut pas s'inverser. Et surtout, vous devez ouvrir un canal de paiement avec tous les gens que vous voulez payer. Donc, en pratique, ces canaux de paiement qui existent depuis assez longtemps ont pratiquement jamais été déployés et sont assez limités. Joseph Poon et Tash Dreja ont publié en février 2015 un papier qui explique comment faire une construction basée sur Bitcoin qui permet de créer des canaux de paiement qu'on puisse relier les uns aux autres et ainsi fabriquer un réseau de canaux de paiement à l'intérieur duquel on puisse payer n'importe qui à partir du moment où on peut trouver un chemin vers lui. Donc c'est un énorme changement par rapport à ce qui existait avant. Le white paper est resté, disons, sans trop de travaux dessus pendant quelques temps. Rusty Russell, qui à l'époque ne travaillait pas encore pour Blockstream, a publié une série d'articles qui sont très intéressants. Même aujourd'hui, si les specs sont différentes du white paper, c'est intéressant d'écrire ce que Rusty a écrit parce que c'est probablement la vulgarisation la plus claire et la plus accessible de ce que c'est le réseau Lightning. Et donc lui, il a poussé le raisonnement un peu plus loin pour voir comment on pourrait en faire quelque chose qui soit implémentable rapidement. Donc on a commencé à travailler sur les implémentations en 2016, faire une première transaction sur Testnet en 2016, et fin octobre 2016, on s'est réunis donc avec Blockstream et Lightning Labs à Milan et on a décidé de lancer une communauté de développement Lightning dont l'objectif principal est de créer une sorte de RFC, des spécifications qui soient ouvertes et qui soient implémentables. Et chacun de son côté implémenter ses spécifications. Donc je pense que c'est assez unique. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres projets de ce type sur les cryptos aujourd'hui. Donc c'est un effort de spécification et développement qui a commencé en octobre. Et puis il y a très très peu de temps, donc il y a quelques semaines, on a atteint la version 1.0 RC, Release Candidate et des specs. Donc on a quelque chose qui est implémentable et qui est complet, suffisant pour qu'on puisse aller plus loin. On a trois implémentations différentes qui ont fait un test sur mainnet de paiement. Donc le paiement est passé par les trois implémentations et c'est bien passé. Donc on a aujourd'hui quelque chose
qui commence à être mûr et qu'on va essayer de déployer réellement en 2018. Donc aujourd'hui, Lightning, ce sont des spécifications et au moins 4 implémentations open source. Donc c'est Lightning de Blockstream, Eclair, c'est la nôtre, LND de Lightning Labs, qui sont à San Francisco, et LIT du MIT. LIT, c'est mené par Taj Draija, qui a rejoint le MIT. Et il y a d'autres gens qui commencent à travailler sur leurs implémentations en ce moment. Les spécifications sont coupées en tranches. Vous avez c'est les specs complètes, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que quelqu'un, uniquement en lisant les specs, soit capable de réimplémenter de son côté un nœud Lightning qui fonctionne avec les autres. Donc ça couvre les formats binaires de messages échangés sur le réseau, le format des transactions Bitcoin, le protocole de routage en oignon, je détaillerai un peu tout à l'heure, comment est-ce qu'on trouve les autres nœuds et comment est-ce qu'on construit les routes quand on veut payer quelqu'un, un nouveau format de requête de paiement. Donc tout ça, c'est sur GitHub. Alors j'ai passé très très rapidement sur les blocs de base qui sont dans Bitcoin. Et je vais essayer d'écrire ce qui pour moi est important sur Bitcoin et ce qui a servi de base à la construction du réseau Lightning. Donc Bitcoin, vous connaissez tous, c'est du cash numérique qui fonctionne sans tiers de confiance et qui, dans le mode le plus simple, fonctionne comme ça. Si j'affiche un QR code, alors je crois que c'est un vrai QR code qui pointe sur une vraie adresse chez moi, vous pouvez me payer. Je ne sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas forcément qui je suis. Je n'ai pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Et au bout d'un certain temps, donc typiquement quelques dizaines de minutes, j'aurai les fonds que vous m'avez envoyés. Et moi, je suis responsable de mes clés privées. Ce sera à moi de protéger mes clés privées. Bitcoin, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. L'architecture de Bitcoin, d'un point de vue technique, pour moi, elle repose sur ces trois éléments-là. La blockchain, alors tout le monde a entendu parler de la blockchain. Les UTXO, qui sont un petit peu le modèle des pièces dans Bitcoin. L'argent dans Bitcoin n'est pas représenté sous forme de billets ou de pièces, il est représenté sous forme d'UTXO. Et le script. Donc dans Bitcoin, bonne nouvelle, il y a un langage de script, un langage de smart contract, qui n'est pas forcément extrêmement évolué, mais qui permet de faire pas mal de choses, et notamment qui permet de faire des choses comme Lightning, qui sont déjà assez complexes d'un point de vue fonctionnel. Donc pour moi, ces trois choses-là, c'est les piliers de Bitcoin. Et si vous vous intéressez à Bitcoin techniquement, c'est intéressant d'aller plus loin que la blockchain et regarder comment fonctionnent les UTXO et comment fonctionne le langage de script. Une fois que vous avez compris ça, ça va vraiment éclaircir votre vision de ce que c'est que Bitcoin, comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Donc, je vais passer très très vite sur la blockchain. Donc ça, tout le monde le sait, ce sont des blocs qui sont liés entre eux. Chaque bloc a un pointeur vers le bloc précédent. Et il y a un mécanisme de proof of work, c'est-à-dire que le hash du header du bloc doit être plus petit qu'une certaine valeur. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Les transactions. Alors, qui ne sait pas du tout ce que c'est que les UTXO ? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Donc, les transactions Bitcoin ont un modèle un petit peu particulier. Le modèle classique auquel on est habitué, c'est le modèle des comptes. Donc, les comptes ont un identifiant unique. Et puis, je peux rajouter ou enlever de l'argent sur un compte. C'est comme ça que fonctionne la plupart des systèmes bancaires. Et c'est aussi comme ça que fonctionne Ethereum. Bitcoin a un modèle qui est assez différent. Les transactions sont chaînées entre elles. Chaque transaction a des entrées qu'elle dépense et des sorties qui créent de nouveaux UTXO. Donc si je veux dépenser un UTXO, c'est-à-dire une sortie qui est disponible, je crée une transaction, je dépense mon UTXO et je crée un nouvel UTXO. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages en termes de système. Et notamment, c'est une constante qu'on retrouve souvent dans Bitcoin. Ça permet de faire en sorte que le système soit assez facile à implémenter et à raisonner. Donc, je parle, si vous voulez construire un nœud Bitcoin, par rapport à l'utilisation. C'est assez compliqué de faire un wallet Bitcoin, en particulier à cause de ça. Mais c'est assez facile de comprendre comment fonctionne un nœud Bitcoin et les règles qu'il doit suivre pour, en gros, à partir d'un UTXO et d'un nouveau bloc qui arrive, créer un nouvel ensemble d'UTXO. Donc, ça a des propriétés qui sont assez intéressantes. Et dans une transaction, vous avez des entrées et des sorties, et les entrées et les sorties ont des scripts. Donc le script des sorties, on appelle ça un script de clé publique, et le script des entrées, on appelle ça un script de signature. Pourquoi ? Parce que les sorties, on les dépense, et donc
quand vous créez une sortie, vous allez fixer les conditions qui permettent de la dépenser en renseignant sur le script de clé publique. Le script de clé publique le plus simple possible, c'est juste une clé publique, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et quand vous dépensez un UTXO, donc quand vous le référencez dans une entrée, vous allez fournir un script de signature. Là encore, le script de signature basique, c'est juste une signature, mais on peut faire des choses plus évoluées que ça. Et c'est là-dessus que la plupart des implémentations un petit peu avancées sur Bitcoin fonctionnent. Et c'est ce langage de script que nous utilisons sur Lightning pour créer notre protocole. Donc très très vite, hein, le fonctionnement de vérification des scripts, c'est que vous exécutez d'abord le script de signature. Ça vous donne une pile de valeurs. Le langage de script de Bitcoin, c'est un langage qui manipule des piles, un petit peu comme le force. Donc, par exemple, l'addition, c'est je dépile les deux derniers éléments de la pile, je les ajoute et je les rajoute sur la pile. Donc c'est extrêmement simple et c'est très facile de raisonner statiquement juste sur le code, sur ce que fait le script Bitcoin. Donc, ce que vous faites pour vérifier une transaction, c'est vous exécutez le script de clé publique, de signature, pardon, ça vous donne une pile, vous exécutez sur cette pile le script de clé publique et à la fin, vous devez avoir une seule valeur qui vaut 1. Si c'est le cas, votre transaction est valide. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre signature n'est pas bonne. Donc ça, ce sont des exemples de scripts. Le script le plus courant, celui qu'on trouve dans la plupart des transactions Bitcoin, c'est celui-là. Donc ce que ça fait, c'est que ça vérifie que la signature et la clé publique qu'on a mis sur la pile correspondent au hash de clé publique qu'on attend dans la sortie. Nous, on fait des scripts plus compliqués que ça. Donc la blockchain Bitcoin, en disant que ça, ce sont les nœuds Bitcoin, c'est un ensemble de nœuds qui parlent entre eux avec un protocole pair à pair, qui s'envoient des transactions et des blocs, et qui tous doivent arriver à la même blockchain. Donc Bitcoin, c'est un système de consensus global. Tous les nœuds Bitcoin ont la même blockchain et doivent se mettre d'accord sur ce qu'est la blockchain. Et c'est de cette construction que viennent les problèmes de scalabilité de Bitcoin, puisque tout le monde voit toutes les transactions. Donc, cette conception de blockchain a un vrai problème de scalabilité qui est très très compliqué. Le fait que tout le monde voit toutes les transactions, ça rend la gestion d'un grand nombre de transactions par seconde extrêmement compliquée. Si vous voulez faire 1000 transactions par seconde, ça veut dire que tous les nœuds Bitcoin du monde vont voir et vont valider 1000 transactions par seconde. C'est vraiment complexe comme problème. Ça fait plusieurs années qu'on en parle sur Bitcoin, on en parle aussi sur Ethereum et d'autres cryptos. Et il n'y a pas forcément beaucoup de solutions potentielles. Donc alors, on pourrait faire des blocs plus gros ou des intervalles plus réduits entre les blocs, mais ça pose des problèmes. Les blocs plus gros, ça ne permettra pas de faire des dizaines de milliers de transactions par seconde. Les intervalles réduits entre les blocs, ça pose des problèmes de blocs orphelins, c'est-à-dire de blocs qu'un mineur va trouver qui finalement va ne pas être inclus dans la blockchain la plus longue et ça va lui coûter de l'argent. Il y a des gens qui travaillent sur le sharding. Donc le sharding, c'est couper la blockchain en morceaux et faire en sorte que chaque morceau travaille plus ou moins indépendamment. C'est assez compliqué à faire parce que si vous restez dans le même shard, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé n monnaies qui sont indépendantes. Donc vous retombez sur les mêmes problèmes à l'échelle du dessous. Et si vous pouvez communiquer entre les shards, vous avez un vrai problème de complexité qui n'est pas simple à régler. Ça pose aussi des problèmes sur la façon dont le minage se répartit sur les shards. Donc ça fait longtemps qu'il y a des travaux dessus. Sur Bitcoin, ça n'a pas donné grand-chose. Sur Ethereum, je sais un peu moins. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement avancé aujourd'hui. Et puis, une autre piste qui est assez prometteuse, qui pour nous est la plus prometteuse, c'est ce qu'on appelle les surcouches des systèmes off-chain. Donc, Lightning Network sur Bitcoin ou les State Channels sur Ethereum, qui vont fonctionner en faisant l'essentiel de leurs transactions sans les publier. Et là, on peut retomber sur des problèmes plus classiques où on peut avoir des paiements qui sont indépendants les uns les autres et on n'est pas obligé de toucher à la blockchain et on peut avoir un gain énorme en termes de flux de transactions. Donc le principe de Lightning, c'est ça. Il y a d'autres problèmes pratiques qui se posent sur Bitcoin, enfin sur toutes les blockchains publiques. Vous avez le problème du temps de confirmation. Donc un paiement sur Bitcoin n'est pas instantané. Il faut attendre que les transactions soient confirmées un certain nombre de fois. Donc au final, si vous voulez être sûr d'être payé, il faut attendre. Typiquement, sur Bitcoin, on recommande une heure.
Pour certains cas d'utilisation, ce n'est pas un problème. Si vous devez expédier du matériel, ce n'est pas forcément gênant. Si vous voulez payer votre café à côté, ça le sera un petit peu plus. Et vous avez aussi un problème sur les fees. Indépendamment du fait que les montants sont très élevés sur Bitcoin aujourd'hui, les fees sur Bitcoin sont calculées en fonction du poids de la transaction en octets. Donc c'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est un peu le principe de la poste. Ce qui coûte cher à transporter sur Bitcoin, c'est les octets des transactions, parce qu'ils vont rester à vie dans la blockchain, ils vont passer sur le réseau. Donc en fait, un petit peu comme la poste qui vous facturera plus cher envoyer un kilo de plomb que 30 grammes de diamant, le réseau Bitcoin vous fait payer le poids des transactions que vous faites dessus. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une transaction à 1 million d'euros ou une transaction à 1 euro vont payer la même chose. C'est un peu problématique. Et ça fait assez longtemps qu'on ne peut plus faire de vrais micro-paiements sur Bitcoin. On n'a jamais pu vraiment payer un centime sur Bitcoin. Ça fait des années que ce n'est plus vrai. Le fait d'avoir un protocole au-dessus de Bitcoin, ça nous permet d'avoir des frais de transaction qui sont basés sur leur montant et pas sur leur taille en octets. Et donc on peut réintroduire des micro-paiements et des paiements qui soient de valeur toute petite. Donc là, je vais vous présenter ce qu'est le réseau Lightning, qui, à la base, a une brique de base, c'est le canal de paiement qu'on peut ouvrir entre deux personnes, et qui ensuite va créer un réseau de canaux de paiement. On peut les relier les uns aux autres, faire un réseau et payer n'importe qui sur le réseau. Donc je vais commencer par détailler ce que sont les canaux de paiement Lightning. Donc c'est une extension des canaux de paiement unidirectionnels qui date de 2014. Et le principe est très simple. Vous avez une transaction sur la blockchain Bitcoin pour ouvrir le canal, une autre transaction sur la blockchain Bitcoin pour fermer le canal, et tout ce qui se passe entre l'ouverture et la fermeture ne touche pas la blockchain. Ça se passe hors chaîne, et en fait, on met à jour, je détaillerai comment ça fonctionne plus tard, les transactions que chacune des personnes qui a ouvert le canal garde pour elle, qui dépense la transaction qui a permis de créer le canal. Donc c'est un protocole qui sert à mettre à jour des transactions qui sont valides, qui sont des vraies transactions Bitcoin, mais qui ne sont pas publiées, mais qui restent publiables. L'autre trouvaille de Lightning, c'est les paiements multi-hop, ou les paiements conditionnels. Alice va payer Bob si et seulement si Bob paie Carole. Le fait d'avoir ce type de construction, ça veut dire que concrètement, si je peux trouver une route vers quelqu'un, je peux construire un paiement qui va passer par cette route et qui ira jusqu'au bout sans ouvrir de canal avec le destinataire. C'est ça qui permet de faire un réseau de canaux de paiement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Lightning Network. Et c'est ce qui fait que dans la pratique, on n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup de canaux de paiement. A priori, avec 3 ou 4 canaux de paiement, vous pourrez payer à peu près n'importe qui sur le réseau. Il y a une notion dans Lightning qu'on appelle la notion de transaction de pénalité. Pour éviter que les gens trichent et publient une vieille transaction qui leur donne plus d'argent que ce qu'ils ont aujourd'hui, il y a un mécanisme qui fait que si vous trichez et si vous publiez une vieille transaction, vous perdez tout l'argent qui est dessus. Donc ça incite les gens à ne pas tricher. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque instant, vous avez seulement un état qui est valide sur un canal de paiement. Les vieux le sont plus, au sens où si vous les publiez, vous avez un risque très fort, extrêmement fort, de perdre tout l'argent que vous avez dessus. Donc le schéma du fonctionnement d'un canal de paiement Lightning, ça va être ça. Donc à gauche, alors je ne sais pas si tout le monde voit, à gauche c'est la blockchain Bitcoin. Quand je vais commencer, je vais publier une transaction qu'on appelle une funding TX, donc une transaction qui crée le channel, et qui va être dépensable si et seulement si Alice et Bob la signent. Donc c'est ce qu'on appelle du multisig. C'est un petit peu comme un chèque sur un compte joint, où pour pouvoir avoir un chèque valide, il faut que deux personnes signent. Donc cette transaction, qui ici par exemple donne 10 bitcoins à Alice et 0 à Bob, donc celui qui crée le canal de paiement au départ a tout l'argent. Donc ici Alice crée un canal de 10 bitcoins. Au départ, Alice a 10 bitcoins, Bob a 0. Et ensuite, ils vont s'échanger des messages pour ventiler de façon différente comment eux récupèrent ces 10 bitcoins. Donc cette funding TX va sur la blockchain. Et quand on crée un canal de paiement, Alice et Bob vont tous les deux créer ce qu'on appelle une commit TX. C'est une transaction bitcoin qui est valide, qui est signée correctement, qui dépense la funding TX,
mais qu'ils ne publient pas. Ils la gardent pour eux. À chaque instant, ils peuvent la publier. Elle est toujours valide, mais ils la gardent pour eux. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est s'échanger des messages pour mettre à jour la façon dont ces commits TX dépensent la funding TX. Donc ici, je commence ici avec Alice a une commit TX qui lui donne 10 bitcoins. Bob a une commit TX qui lui donne 0. Alice a envoyé 7 bitcoins à Bob. Maintenant, Alice a une commit TX qui lui donne 3 bitcoins et qui donne 7 bitcoins à Bob. Et Bob, il a exactement le miroir de ça. Bob, il a une transaction qui donne 3 bitcoins à Alice et 7 bitcoins à Bob. Et puis ensuite, Bob va faire un paiement de 1 bitcoin à Alice. Et on va se retrouver avec une commit TX qui donne 4 bitcoins à Alice, 6 à Bob. Et puis le miroir de l'autre côté, une commit TX pour Bob qui donne 4 bitcoins à Alice et 6 pour Bob. Donc on va passer notre temps à faire des échanges comme ça, mettre à jour la façon dont la funding TX est dépensée. Et puis le jour où Alice et Bob sont contents et ont envie de fermer le canal, ils vont créer ce qu'on appelle une closing TX qui va prendre le dernier état de leur commit TX, c'est-à-dire comment les fonds sont répartis, et qui va être publié sur la blockchain. Donc sur cet exemple-là, le dernier état, c'est 4 bitcoins pour Alice, 6 pour Bob, donc c'est ça qui va être publié. Et Bob et Alice vont récupérer leurs fonds sur la blockchain Bitcoin. Donc la blockchain va uniquement voir celle-ci et celle-ci. Entre les deux, vous pouvez avoir des millions de paiements dans tous les sens. Ça ne touchera pas la blockchain et il n'y a pas besoin de faire un consensus global dessus. C'est pour ça que ça permet d'avoir des flux de transactions élevés. Est-ce que ça va pour l'instant? Combien de temps ça peut durer en fait? Autant qu'on veut. Il n'y a pas de notion de péremption des canaux de paiement. Donc nous, ce qu'on pense concrètement, c'est que le temps... Les premiers canaux de paiement vont être petits, avec des paiements petits, et vont probablement être fermés relativement vite, le temps que les gens prennent confiance dans le système. Mais on peut imaginer qu'à terme, des canaux de paiement restent ouverts plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n'y a rien dans le protocole qui contraint les canaux à être fermés. C'est plus la façon dont le système fonctionne, les problèmes éventuels qu'on va trouver au départ, et puis la confiance qu'auront les gens dedans qui vont déterminer leur durée de vie. Mais on peut les laisser ouverts indéfiniment. Ça ne fonctionne que 2 à 2? Non, justement, je vais expliquer comment ça marche après. Tant que la transaction n'est pas fermée, du coup, ils ne peuvent pas dépenser les bitcoins qu'ils n'ont pas encore. Si, si. Là, sur cet exemple-là, à chaque instant, ici, 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 Alice et Bob ont une transaction bitcoin valide, signée et publiable. Donc, quand on se retrouve ici, par exemple, supposons qu'Alice, pour un tas de raisons, ait envie de dire « Ok, j'arrête, je récupère ce que j'ai à cet instant », Alice va publier ça, elle récupère ses 3 bitcoins, et Bob récupérera ses 7 bitcoins. Et ça, c'est très important. Les nœuds Lightning ne contrôlent pas les fonds des canaux qui sont ouverts avec eux. Un opérateur de paiement classique, en fait, c'est un peu comme une banque. Vos clients payent chez lui, lui, il garde l'argent et vous le donne s'il veut. Donc en France, ça se passera plutôt bien. Il y a des pays où ça peut se passer plus difficilement. Et c'est pour ça que les opérateurs de paiement sont extrêmement régulés, parce que c'est eux qui possèdent l'argent. Le fonctionnement de Lightning, c'est très différent. À chaque instant, Alice ou Bob, sans rien faire, peut récupérer son argent. Il n'y a pas de notion de possession des fonds qui transitent. Et donc, ça, c'est un fonctionnement qui est très, très différent de celui d'un opérateur de paiement classique. J'ai encore une question. Là, dans ce cas-là, c'est une personne qui ouvre la fin des transactions. Oui. Donc, du coup, à la fin, quoi qu'il arrive, au milieu, par exemple, si c'est Bob qui ouvre, Bob aura toujours moins d'argent et Alice aura plus d'argent. Non. Dans l'exemple ici... Au départ, Alice a ouvert le canal avec 10 bitcoins, rien pour Bob. Ouais. Mais un peu plus tard, elle va se retrouver avec 3 bitcoins et Bob en aura 7. Ce que je veux dire, c'est que genre, si Alice ouvre, Bob n'aura jamais plus que ce qu'Alice a. Enfin, ah oui, d'accord, genre, ok. Alice n'aura pas plus, oui, que ce qu'elle a donné au début. Ça, c'est une très bonne remarque. Les canaux de paiement sont limités par le montant qu'on a mis dans la funding TX. Ici, c'est un canal de paiement de 10 bitcoins. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra jamais faire un paiement qui dépasse 10 bitcoins dessus.
un petit peu comme votre compte bancaire, vous ne pouvez pas payer, a priori, vous aurez des ennuis, vous ne pouvez pas faire un chèque ou une dépense qui va au-delà de ce que vous avez sur votre compte bancaire. Si vous voulez faire ça, bah, il faut rajouter de l'argent. C'est un peu le même principe sur Lightning. Là encore, on pense que l'utilisation principale... Alors, y a des choses dans le protocole pour faire que ce ne soit pas un problème embêtant dans la pratique. Notamment, on doit avoir une réserve. Et nous, on pense que Lightning sera principalement utilisé au moins au départ pour des petits paiements. Ils seront nettement inférieurs à la valeur totale du channel. Donc, ce ne sera pas problématique au départ. Mais effectivement, il y a un problème de capacité. Ce qui veut dire que si j'ai une série de canaux de paiement qui sont reliés les uns aux autres, ma capacité de paiement, c'est la plus faible de ce que je trouve sur le channel. Donc ça, oui, ça, en pratique, ça va être quelque chose d'assez important. Non. Bah, si on veut... Côté blockchain, Alice va créer une transaction multisig dépensable seulement par elle plus Bob. Et elle va échanger avec Bob des messages, ce qui fait qu'elle a une commit TX valide, ce qui veut dire que si Bob disparaît, elle peut récupérer son argent. Oui. Oui. Donc là, il y a une slide qui va être peut-être un petit peu effrayante au départ, mais ce sera plus clair tout à l'heure. Donc ça, c'est la structure de la commit TX d'Alice et de Bob. Donc, en entrée, vous avez notre fameuse funding TX. Alors là, on suppose que je suis Alice. Vous avez la sortie d'Alice, la sortie de Bob, et pour tous les paiements qui sont, on va dire, en transit, vous avez ce qu'on appelle des HTLC. Je vais expliquer ce que c'est derrière. Donc, ce sont des paiements qui n'ont pas encore été résolus. Et il y a ceux que Alice a envoyés à Bob. Il y a ceux que Alice a reçu de Bob. Et ce qu'on peut regarder, c'est que dans toutes les sorties de Bob, il y a ce qu'on appelle une clé de révocation. Ce que ça veut dire, c'est que si Bob a cette clé de révocation, il peut voler toutes les sorties. Donc celle-là, c'est déjà la sienne. Celle d'Alice, il la prend. Et celle de tous les HTLC, il la prend aussi. C'est ce qu'on appelle, c'est ça le mécanisme de transaction de pénalité qu'on a sur Lightning, qui fait que vous ne pouvez pas tricher. Vous pouvez pas dans l'exemple que j'ai mis précédemment, Alice pourrait très bien se dire, là ça ne me plaît pas, j'ai 3 bitcoins, c'était mieux avant, j'en avais 10, et je publie ça. Si elle fait ça, elle perd tout. Donc, le modèle de paiement qu'on trouve sur Lightning, c'est ce qu'on appelle hash time locked contract. Ce que ça veut dire, c'est que je te donne de l'argent si tu me donnes une préimage pour un hash. Tout le monde sait ce que c'est qu'une préimage. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une préimage? Okay. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un hash? Très bien. Donc, un hash, c'est une fonction qui n'est pas inversible. Le hash, c'est la valeur que calcule la fonction, et la préimage, c'est l'entrée qui est dans la fonction. Et a priori, il est impossible de deviner la préimage si on vous donne le hash. C'est le principe qui est très utilisé dans Bitcoin notamment. Si je vous donne un hash, vous ne saurez jamais, 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 à moins d'essayer de faire un nombre de brute forcée, vous ne pourrez pas retrouver la préimage qui correspond. Donc le modèle de paiement qu'on a sur Lightning, c'est ça. Je donne de l'argent en échange du préimage. Et comme les gens à qui on parle peuvent arrêter de répondre ou disparaître ou arrêter leur nœud, au bout d'un certain temps, on récupère son argent. Donc un paiement Lightning, c'est ça. Je te donne de l'argent contre la préimage de hash, mais si au bout d'un certain délai, j'ai rien reçu, je récupère mon paiement. Donc hash, parce que c'est basé sur des hash. Time locked, parce qu'il y a un délai pour faire le paiement, et après ce délai, bah, celui qui a initié la requête de paiement récupère son argent, si l'autre arrête de répondre, par exemple. Et donc, pour faire simple, un paiement Lightning, c'est un montant, un hash de paiement, et puis un délai d'expiration. Ça, c'est à quoi ressemble une requête de paiement. Donc, en fait, vous avez
un format qui est qui ressemble un petit peu à du BAS 58, mais c'est pas ça en fait, ça s'appelle BEC 32. C'est une proposition de Peter Villeux qui vient d'arriver sur Bitcoin et que nous utilisons sur Lightning aussi. Et dans cette requête de paiement, vous avez la description de ce que vous voulez acheter, donc ici c'est du café, le hash de paiement, l'identifiant du nœud vers lequel vous devez envoyer votre requête, et le montant. Donc en scannant ça, moi je sais ce que je dois payer, je connais le hash de paiement et je sais à qui je dois l'envoyer. Donc je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Donc ça, c'est des détails de protocole. Ça correspond à comment est-ce qu'on met un canal de paiement. Comment est-ce que Alice paie Bob. Donc si Alice, supposons que Bob vende des images de chats, c'est la première chose qui a été vendue sur Testnet, c'était une image de chat. Et que Alice a envie d'acheter une image de chat à Bob. C'est Bob qui va choisir la pré-image. Donc ça, c'est important. Celui qui choisit la pré-image, c'est celui qui veut être payé. Et quand il va recevoir la requête de paiement, il va envoyer la pré-image correspondante. Et il va hacher cette pré-image et il va l'envoyer à Alice. Ça, c'est hors protocole. Ça peut être un QR code à scanner, ça pourrait être un SMS, ça peut être n'importe quoi. Alice va se retrouver avec un message de Bob qui dit « Envoie-moi 2 bitcoins, ça fait cher l'image de chat, pour la pré-image de hash. » Et ensuite, Alice va lui envoyer une proposition de paiement pour 2 bitcoins avec ce hash. Donc elle va transformer sa commit TX, 6 pour Alice, 4 pour Bob, en 4 pour Alice, 4 pour Bob, et puis un paiement qui apparaît de Bitcoin pour Bob. Et elle va signer cette nouvelle transaction. Donc Alice, ce que doit faire Alice, c'est faire en sorte que Bob ait toujours une transaction valide, et ce que doit faire Bob, c'est faire en sorte que Alice ait toujours une transaction valide. Donc en fait, quand on échange des signatures sur le réseau Lightning, on échange les signatures pour la transaction de la personne qu'on a en face. Donc Alice va envoyer une signature pour cette nouvelle commit TX pour Bob, qui inclut un paiement. Bob va lui renvoyer son secret de révocation qui permet de voler l'argent de son ancienne commit TX. Il va signer la nouvelle commit TX d'Alice, qui ressemble à ce qu'on a vu avant, qui inclut ce paiement de 2 bitcoins. Alice va lui envoyer son secret de révocation qui veut dire que maintenant son ancienne commit TX ne sera plus valide. Et à cet instant-là, tous les deux ont des nouvelles commit TX qui incluent un paiement temporaire. Ils peuvent les publier s'ils veulent, mais ils vont aller plus loin et ils vont faire disparaître ce paiement temporaire de leur commit TX pour avoir quelque chose de propre, avec seulement une sortie pour Alice, une sortie pour Bob. Donc maintenant, Bob va renvoyer la pré-image. Alice va vérifier que cette pré-image, quand on la hache, ça correspond bien au hash de paiement. Et puis pareil, ils vont s'échanger de nouvelles signatures, de nouvelles clés de révocation. Et ils vont faire disparaître ce paiement temporaire et faire passer 2 bitcoins de la sortie d'Alice vers la sortie de Bob. Donc le nouvel état maintenant, c'est 2 commit TX qui sont toujours valides. Et maintenant, Bob a 2 bitcoins de plus et Alice a 2 bitcoins de moins. Donc ça se passe par un dialogue qui concerne uniquement Alice et Bob. C'est un échange de messages sur des connexions TCP, donc c'est très rapide. Ça prend au maximum quelques secondes. Et c'est un dialogue qui n'a aucun impact sur le reste du réseau. C'est ça qui fait que Lightning est extrêmement scalable. Il n'y a pas de consensus global. Alice et Bob sont en train de se mettre d'accord sur comment ils répartissent leurs fonds et ça ne touche pas les autres. Alors, il y a plusieurs façons de fermer un canal de paiement. La façon la plus simple, c'est Alice et Bob se mettent d'accord pour fermer le canal. Ils nettoient tous les paiements qui n'ont pas encore été traités. Ils se mettent d'accord sur une transaction de fermeture, ils la publient, et puis chacun récupère ses fonds et peut les dépenser instantanément. Donc ça, c'est a priori le cas nominal. Les deux sont toujours vivants et se mettent d'accord sur la fermeture d'un canal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un des deux, Bob arrête de répondre, ou Bob commence à renvoyer n'importe quoi sur les eaux ou autre chose? Alice peut très bien décider de fermer son canal toute seule.
Tout ce qu'elle a à faire, c'est publier sa commit TX courante, c'est tout. Bob n'a pas, il n'y a pas d'action à avoir de Bob. Bob ne détient pas les fonds ou il ne peut pas bloquer la sortie d'Alice. La seule petite différence, c'est que quand Alice fait une fermeture unilatérale, sa sortie a un petit délai. Ce délai, il sert à, si jamais elle triche, à ce que Bob puisse utiliser les clés de révocation et voler son argent. Donc elle ne va pas récupérer ses fonds immédiatement. Typiquement, elle va les récupérer quelques blocs plus tard. A priori, ce sera peut-être de quelques heures à une journée plus tard. Donc si je ferme unilatéralement un canal de paiement, je ne vais pas récupérer mes fonds sur la blockchain tout de suite, il faudra attendre quelques heures. Il y a des petites contraintes si jamais il reste encore des paiements, si je suis encore dans cet état-là. Il faut aussi que je récupère les HTLC qu'on m'a envoyés. Il faut que je récupère les HTLC que j'ai envoyés, pour lesquels je n'ai pas de réponse et qui ont time-outé. Donc c'est un petit peu plus complexe. Mais Alice a toutes les signatures et tous les éléments dont elle a besoin, donc elle pourra faire ce travail. Ce sera juste un peu plus compliqué. Et puis il y a un cas qui intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un triche. C'est-à-dire que si quelqu'un publie une vieille commit TX. Alice, si Bob triche, doit surveiller la blockchain, regarder si la funding TX est dépensée. Et si la funding TX est dépensée, donc c'est pas très compliqué puisque elle la connaît, cette funding TX, elle peut récupérer toutes les sorties de la transaction qui la dépense avec ce fameux secret de révocation que Alice et Bob ont échangé à chaque fois qu'ils ont mis à jour leur transaction. Donc pour ça, il faut qu'elle se rappelle du secret de révocation, mais il y a une structure très maligne qui a été proposée dans le protocole, et en fait on peut stocker énormément de valeur avec très très peu d'espace mémoire, donc c'est pas un problème même s'il y a eu des millions de paiements. Et si jamais il y a des HTLC, donc c'est un petit peu comme dans le cas de l'unilateral close, il faudra aussi qu'elle se rappelle les détails des HTLC, les montants, etc., si elle veut les récupérer. Elle n'est pas obligée de le faire parce que ce sera a priori des montants qui sont très petits par rapport à sa balance à elle. Et si elle ne peut pas se rappeler s'il y a une panne ? C'est comme Bitcoin, si vous ne vous rappelez pas de vos clés privées. Si vous ne vous rappelez pas des secrets de révocation que Bob vous a envoyés, le jour où il triche, vous ne récupérez pas votre argent. Mais ça, c'est... Je coupe le courant d'Alice d'un coup. Ah, d'accord, oui. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça. Donc la question, vous avez tous compris, hein, c'est Alice doit surveiller la blockchain et réagir avec les secrets qu'on lui a donnés pour récupérer pour prendre tout l'argent de Bob si Bob triche. Qu'est-ce qui se passe si Alice est en panne ou n'a pas d'électricité ou n'a pas de réseau ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a deux réponses pour ça. La première, c'est que c'est relativement facile, en gros, de faire un backup d'un nœud Lightning et de le refaire tourner ailleurs. En gros, c'est un petit peu comme faire un backup d'un wallet Bitcoin et le redémarrer ailleurs. Vous allez retrouver vos clés et votre argent. C'est pas... Et surtout, surveiller la blockchain et détecter que la funding TX est dépensée et réagir, c'est quelque chose qu'on peut facilement externaliser. Donc ça, c'est une proposition de Tash Draja qui s'appelle Watchtower. En fait, on peut très facilement externaliser la surveillance de la blockchain sans donner d'informations sur les paiements qu'on fait et à qui on les fait. Donc Tash a proposé des choses pour ça. Le MIT fera probablement tourner un service pour ça, mais on peut très bien imaginer que en envoyant ces secrets de révocation cryptés à un site extérieur, celui-ci puisse faire la surveillance de la blockchain pour vous et punir Bob s'il triche, même si vous n'êtes pas allumé. Oui, sans avoir de perte de vie privée. Donc si je reviens sur la commit TX dont je parlais tout à l'heure, le rôle de la clé de révocation, il est clair. C'est permettre de faire ce qu'on vient de voir avant. C'est permettre de voler toutes les sorties si quelqu'un triche. Le rôle du délai, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un publie une transaction révoquée, l'autre personne ait le temps de la dépenser. Donc ce délai, il fait en sorte que si moi je publie cette transaction, cette sortie-là, je ne peux pas la dépenser tout de suite. Elle sera sur la blockchain, Bitcoin, tout le monde pourra la voir, mais moi, je n'y aurai pas accès. Donc maintenant qu'on a des canaux de paiement, on peut les mettre bout à bout. C'est très facile,
Il suffit d'utiliser le même principe de requête de paiement de hash et de prix image. Si par exemple Alice veut acheter la même image de chat en passant par Bob, elle va faire une requête de paiement à Bob avec la préimage de paiement que Carole lui a envoyée. Bob va la faire suivre à Carole. Carole va renvoyer la préimage vers Bob qui va la renvoyer vers Alice. Et le paiement va se faire de la même façon. En fait, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que sur ce canal-là, Alice a envoyé 2 bitcoins vers Bob. Et sur ce canal-là, Bob a envoyé 2 bitcoins vers Carole. Donc Alice perd 2 bitcoins, Carole gagne 2 bitcoins, et pour Bob, c'est une opération blanche. Il en gagne 2 à gauche, qu'il repère à droite. Alors, dans la pratique, Bob pourra appliquer des frais de transaction qui sont proportionnels aux montants qui sont payés. Donc il pourrait gagner un petit peu d'argent en réglant les paiements, mais si on suppose qu'il n'y a pas de frais de transaction, pour Bob, c'est une opération blanche. Il perd à droite ce qu'il a gagné à gauche. Donc le réseau Lightning aujourd'hui sur Testnet, il ressemble à ça. Et si vous faites partie de ce réseau, vous pouvez payer n'importe qui à partir du moment où vous trouvez un chemin vers cette personne. Et alors, ce graphe-là, il est complètement connecté. Donc là, n'importe quel nœud de ce graphe peut payer n'importe quel autre nœud. Sans avoir ouvert de canal spécifiquement avec cette personne. Donc on voit, si je suis là, je vais payer celui-là. Je fais comme ça. Et c'est ce qui fait vraiment l'attrait de Lightning par rapport aux solutions de canaux de paiement de 2013, c'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir un canal de paiement avec tout le monde. J'imagine qu'il y a plusieurs routes possibles. Oui. Dans ce cas, est-ce que si l'intermédiaire met des fils ou pas, on aura possible de choisir? Exactement. Oui. Alors, je vais y venir là-dessus, mais c'est exactement ça. Lightning utilise du source routing et ce qu'on appelle du routage en oignon. Donc le routage en oignon, c'est un peu comme ce qu'on voit sur Tor, par exemple, pour les gens qui connaissent Tor. C'est que si je veux envoyer un message à D, je vais le crypter pour D. Alors j'envoie un message à D en passant par A, B et C. Je crée mon message, je le crypte pour D, et puis je rajoute une couche de cryptage pour C. Et par-dessus, je rajoute une couche de cryptage pour B, puis une couche de cryptage pour A. J'envoie le message à A, qui va peler son oignon, enlever sa couche à lui, et puis le passer à B, et ainsi de suite. Ça permet de faire des transferts qui sont complètement cachés, ils sont complètement cryptés. Et ça fait en sorte que les gens qui relaient les paiements ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont aller. Et c'est la source qui calcule la route. Et donc en particulier, alors je vais y venir après, mais la source va a priori calculer la route qui est la moins chère pour elle pour faire ses paiements. Donc en gros, ce que ça donne, c'est ça. Le nœud bleu ici qui relaie un paiement, il ne sait pas où il est dans la route. Tout ce qu'il sait, c'est que le paiement vient de là, il va aller ici. Il ne sait pas qui est l'émetteur, il ne sait pas quel est le destinataire. Aujourd'hui, il connaît le montant et la préimage. Il y a des évolutions prévues dans le protocole pour que même ça soit caché plus tard, donc on ne puisse plus du tout faire de corrélation sur les préimages, sachant que les nœuds qui ne participent pas à ce paiement ne voient rien du tout. Donc en termes de protection de la vie privée, il y a des a priori, il y aura des garanties beaucoup plus fortes sur Lightning que sur Bitcoin. Bitcoin, où tout est traçable, et si on ne fait pas attention, c'est relativement facile de trouver sur une transaction quelle est l'adresse de change et donc de la relier aux adresses qui sont en entrée, ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses sur l'analyse de la blockchain Bitcoin. Ce sera beaucoup plus compliqué sur Lightning parce que les nœuds qui ne participent pas au paiement ne voient rien. Et parce que les transactions ne sont pas écrites. Elles ne seront pas disponibles pour tout le monde. Donc le routage aujourd'hui, donc comment est-ce que je trouve mon chemin sur le réseau Lightning ? L'algorithme qui est proposé aujourd'hui est très très simple, c'est que tout le monde connaît tous les nœuds et tous les canaux de paiement. Donc en gros, il y a des tables de routage qui contiennent ces informations-là, que les nœuds vont s'envoyer en mode broadcast, qu'ils vont agréger, dédoublonner,
et qui leur permettent de calculer le chemin sur le graphe. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai ici, chaque nœud du réseau Lightning aujourd'hui a cette vision-là, il a cette carte localement. Donc quand il veut faire un paiement, il va calculer quelle est la meilleure route possible. Il va créer son oignon et puis il va l'envoyer sur cette route. Donc ça, on sait que c'est un système qui posera des problèmes quand il y aura beaucoup, beaucoup de nœuds, mais en gros, ce sera un problème de riche. C'est-à-dire que si on arrive à être vraiment limité par ce mécanisme relativement simple de gossip, ça veut dire que Lightning aura déjà pas mal marché et c'est plutôt un problème qu'on aimerait bien avoir. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'annoncer tous les nœuds, en particulier les nœuds terminaux, s'ils ne relaient pas de paiement, et on pense que ça peut être le cas pour les téléphones, pour les applis mobiles, il n'y a pas besoin d'annoncer leur canaux de paiement. Donc tous ceux qui sont au bout, on peut très bien les enlever. Dans une requête de paiement, vous pouvez mettre des morceaux de route. Donc celui-là a l'air bien connecté. Supposons que ça, ce soit un nœud marchand qui reçoit beaucoup de paiements. Il pourrait très bien dire, quand il veut être payé par quelqu'un, rajouter des morceaux de route pour aller ici ou pour aller dans sa requête de paiement. Et donc ça permettra de trouver plus facilement une route vers lui. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire pour améliorer ce système de routage qui est très très simple au départ, qui sera peut-être une limitation de Lightning s'il marche bien. Donc, pour résumer Lightning, c'est un protocole qui est hors chaîne, qui est basé sur la mise à jour de la façon dont on va dépenser une funding TX qui, elle, est sur la blockchain Bitcoin. Donc, j'ouvre le canal, je publie ma funding TX et ensuite j'échange des messages pour mettre à jour la façon dont les fonds qui sont dedans sont ventilés. Et quand je suis content, je ferme le canal. Et si quelqu'un triche, j'y prends son argent. Et je crois que c'est la dernière slide. Ah non. J'ai une illustration relativement simple sur le fonctionnement d'un paiement. Donc ça, c'est notre wallet Android. Ça, c'est une requête de paiement. Donc, vous allez voir votre requête de paiement sur un site web ou ailleurs. Vous la scannez. Le wallet va extraire le montant, la destination, la date d'expiration du paiement et le hash de paiement. Il va calculer une route, puisque lui, il a la table de routage, créer son paquet d'oignons, et puis il va l'envoyer au premier nœud de la route. Donc le paiement va transiter jusqu'au destinataire. Le destinataire va utiliser le hash de paiement comme identifiant unique du paiement. C'est ça qui permettra de référencer si on a été payé ou pas. C'est ce qui permettra aussi de faire le lien avec des systèmes de facturation ou des systèmes de gestion. Et quand ici le marchand voit arriver sa requête de paiement avec le bon hash, il sait déjà qu'il est payé. En gros, ça veut dire que dans le pire des cas, il a une commit TX qui lui permettra de récupérer son argent. Il renvoie la pré-image. Tout le monde met à jour ses balances sur le réseau. Votre paiement a été fait et c'est terminé. Et c'est à peu près instantané et c'est vraiment terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de temps de confirmation. Il ne faut pas attendre pour être sûr qu'on est payé. En 2 secondes, vous avez vos fonds sur votre canal Lightning. Donc ça nous amène à l'Internet de l'argent. Donc c'est la phrase qu'avait trouvée Antonopoulos. Donc Bitcoin, c'est le Graal des monnaies numériques. C'est la première fois que quelqu'un arrive à faire une monnaie du cash numérique sans tiers de confiance. Il y a eu d'autres expériences avant, mais qui étaient toutes centralisées. Mais ça a un énorme problème de flux. Enfin, toutes les blockchains ont ce problème-là. Et il y a aussi des problèmes de temps de confirmation et des problèmes de fees. Lightning, en se basant sur Bitcoin, avec une construction un petit peu différente et des compromis un peu différents, ça permet de faire des paiements qui sont instantanés, sans tiers de confiance, où il n'y a pratiquement pas de limite de flux. Donc on pourrait imaginer faire des milliers ou des dizaines de milliers de paiements par seconde. Il n'y a pas de limite de flux conceptuel pour Lightning. Avec quelques contraintes, c'est que d'abord vous devez être online pour recevoir de l'argent. Avec Bitcoin, je n'ai pas besoin d'être en ligne pour recevoir de l'argent. Le QR code que j'ai affiché au départ,
Si vous voulez m'envoyer de l'argent dessus, vous pouvez. Moi, j'ai vraiment rien à faire. Là, vous devez être online pour recevoir de l'argent. Et vous devez monitorer la blockchain pour être sûr qu'on ne triche pas. Donc, c'est une contrainte qui est externalisable avec le système de Watchdog dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, ça fait partie des trade-offs un peu différents qui rendent Lightning possible. Mais c'est une des premières applications en surcouche de Bitcoin et qui montre qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes sur Bitcoin avec son langage de script limité et tout ce qu'on veut pour avoir quelque chose qui peut vraiment changer la façon dont les paiements fonctionnent pour des biens numériques. Donc c'est la dernière slide. Alors ça marche sur tous les clones directs de Bitcoin à condition qu'ils aient une solution pour la malléabilité. Donc la malléabilité des transactions, c'est un problème, c'est un bug sur Bitcoin. En gros, vous ne pouvez pas connaître l'identifiant d'une transaction tant qu'elle n'a pas été incluse dans un bloc. C'est-à-dire que pour tous les gens qui veulent faire des protocoles où on chaîne des transactions qu'on ne publie pas, vous avez un vrai problème parce que les identifiants des transactions que vous avez chaînées, ben, ils peuvent changer. Et ça met par terre votre protocole. Donc Lightning, nous, on a dû attendre que le SegWit soit activé avant de pouvoir en faire quelque chose qui soit vraiment déployable. Si sur Bitcoin Cash, par exemple, vous ne pouvez pas faire Lightning aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Et personne ne regarde comment passer à travers les limitations que fait la malléabilité. Donc si vous n'avez pas de solution sur la malléabilité, vous ne pourrez pas le faire. Et il faut que vous ayez des primitives. Les hash, les timeout, etc., qui ressemblent à ce que vous avez sur Bitcoin. Donc Litecoin, c'est trivial de faire Lightning dessus. On a déjà fait une démo et je crois qu'on n'est pas les seuls. Mais sur quelque chose de très différent, il faut regarder. Mais ça pourrait être intéressant aussi de faire des paiements qui n'aient pas été sollicités. Donc il y a des idées pour ça. Il suffirait d'inclure la préimage dans la requête de paiement. On peut très bien imaginer faire des paiements qui ne sont pas sollicités. Mais il faudra une action de la part du récepteur. Même à partir de l'implémentation, j'ai pas essayé de les faire. Même à partir de l'implémentation, il faudra quand même qu'il y ait un accord. Je ne sais pas si une application qui est prête sur terre, il faudra l'accord du récepteur. Oui, le récepteur doit être actif. Donc, si vous ne voulez pas recevoir un paiement, vous ne le recevrez pas. À la différence de Bitcoin, où effectivement, on peut s'amuser. Voilà. Imaginons qu'on ferme un canal qui contient beaucoup de transactions, des millions. Est-ce que ça tient dans un bloc, dans la blockchain, et qui paye les frais de transaction Il n'y a pas des millions de transactions sur un. Il y a une transaction, une commité X qui est valable à un instant T. Même si vous avez fait des millions de paiements, vous n'avez pas un million de transactions à publier. Donc sur un canal entre Alice et Bob, même si Bob et Alice se sont échangés des millions de paiements, il y aura une seule transaction à publier sur la blockchain pour sortir du canal. Donc il n'y a pas de... La taille n'augmente pas en fonction du nombre de paiements qui ont été faits. C'est complètement indépendant. À droite. Oui. Et du cross-chain, comment vous intégrez votre solution Lightning, comment ça s'intègre basiquement au système? Alors, l'Atomic Swap, ce que ça veut dire, c'est que j'échange par exemple du Bitcoin contre du Litecoin, donc swap, Atomic, au sens, c'est pas que ça brille dans la nuit, mais c'est que l'opération se fait complètement ou se fait pas du tout. On ne va pas s'arrêter en chemin avec les bitcoins qui sont partis et les litecoins qui sont partis. Donc ça, c'est très facile. Il suffit de faire des HTLC sur les deux chaînes qui aient le même hash de paiement. Tout simplement, c'est intégré comme c'est en place. Ça pourrait être fait assez facilement. Il y a quand même un problème. C'est que au niveau du protocole, c'est facile à faire. Il faut quand même se mettre d'accord sur le taux de conversion. Donc, soit un message de plus, soit que les gens se mettent d'accord, mais si je vais échanger X Bitcoin contre Y Litecoin, il faut que moi j'ai un taux de conversion, et ça, c'est complètement hors protocole. Merci. Est-ce que vous avez une idée du timing pour la diffusion de Mars?
L'objectif de tout le monde, c'est d'avoir un réseau qui soit déployé cette année. L'adoption, c'est difficile de dire à quelle vitesse ça va aller. J'espère que ça va aller relativement vite. Quant aux technologies alternatives, pour moi, HGraph, alors je ne connais pas très bien HGraph, mais c'est vraiment à l'état de... C'est même pas en version alpha, hein, c'est à l'état de proto. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si on serait doublé par HGraph ou pas. Je pense personnellement, mais évidemment, je suis parti pris, que Lightning, c'est la solution de scalabilité la plus intéressante pour les blockchains aujourd'hui. Mais, bon. Certains changent l'algorithme de HH qui va derrière la fork de Bitcoin. Comment ça se passe si on a Bitcoin, on a l'algo de HH de Bitcoin, et si on se retrouve sur un fork qui se retrouve avec un algo différent, comment ça se passe au niveau de la propagation des Alors, si l'algo de HH, vous parlez de la proof of work. Ouais. Bon, pour Lightning, on s'en moque complètement. Sur Bitcoin aujourd'hui, si vous changez uniquement le proof of work, juste ça, pour nous, il n'y a aucun changement à faire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, si on est sur Bitcoin, le SHA 256 pour la hachage, et si on va sur une autre. D'ailleurs, Litecoin, c'est un autre algo de hachage. Litecoin, c'est script. Nous, quand on a fait notre démo sur Litecoin, on n'a pratiquement rien changé. Donc si c'est juste l'algo de proof of work qui change et que le reste, les scripts, les fonctions de base sont les mêmes, vous n'avez rien à faire. Donc du coup, entre les deux channels, il y en a un qui soit sur une adresse multisite Bitcoin et un autre sur une adresse multisite Bitcoin, par exemple. C'est pas ce que j'ai dit. Nous, notre démo, on l'a fait, on a fait une démo de canaux de paiement sur Litecoin. Il n'y avait pas d'échange Bitcoin contre Litecoin. Ouais, L'algo de proof of work est complètement indépendant. Si vous avez vraiment les mêmes scripts, les mêmes, ce qui est le cas pour Litecoin et Bitcoin, il n'y a pratiquement rien à faire. Si le langage de script est très différent, il y aura un travail plus ou moins important pour faire en sorte que le principe de Lightning, c'est assez simple. Hein, c'est qu'à chaque instant, vous avez une transaction qui est valable pour votre blockchain, Bitcoin ou Litecoin ou autre chose, que vous pouvez publier. Donc si c'est facile à faire sur une autre monnaie, vous pourrez avoir Lightning facilement. Si le langage est très très différent et qu'il y a beaucoup de changements à faire par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ce sera plus compliqué. Quel est pour vous le problème majeur aujourd'hui que vous rencontrez qui en fait d'aller beaucoup plus vite sur une adoption de masse Il faut que le c'est un projet qui est quand même relativement jeune. Le white paper, il date de 2015, mais il n'y a pas eu de travaux vraiment avant fin 2015. La communauté de développement Lightning elle travaille surtout depuis un peu plus d'un an. Moi, je pense que ça va plutôt vite. Ce qui va motiver l'adoption au départ, c'est le fait qu'on arrive à livrer rapidement des outils qui sont fiables. Et que les gens perdent pas leur argent toutes les 5 minutes. Donc ça dépend plutôt de nous, mais je vois pas d'obstacle majeur à l'adoption de Lightning cette année. Parce que ça fonctionne déjà, si vous avez... Alors nous, on recommande pas de changer le logiciel et de le faire tourner sur Mainnet. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Il y a aussi déjà des gens qui ont cloné soit ce qu'on a fait, soit ce qu'ont fait nos collègues pour le faire tourner sur d'autres chaînes. On pense que ce n'est pas encore mûr pour ça. Donc si vous le faites, vraiment, c'est à vos risques et périls, mais ça devrait l'être assez rapidement. Et là, on est en phase où on est interopérable avec les autres. Donc on peut vraiment faire... Dans le réseau que je vous ai montré, il y a des nœuds qui viennent d'un petit peu tout le monde. Dans le cas nominal, ça fonctionne. Ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes. Il y a toute une phase de mise au point de debug. Et c'est ça qui va prendre un peu de temps en début d'année. Pour moi, il n'y a pas de problème majeur aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé dans les spécifications de choses qui nous disent qu'il faut revenir en arrière, il faut revenir au tableau noir et il faut recommencer. Et
ce sera plus des problèmes d'implémentation, des bugs, des choses qui font que vous perdez votre argent, soit parce qu'on vous le vole, soit parce que la transaction n'est pas valide, et enfin, il n'y a pas les clés pour la dépenser, des choses comme ça, mais il n'y a pas de... Sur la théorie Lightning et sur les spécifications, il n'y a pas de problème majeur aujourd'hui. Vous avez montré l'image du testnet. Il me voit déjà quelques nœuds. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait possible qu'il y ait des très gros nœuds dans le futur qui ont des millions de paiements, de chaînes de paiement, et que ça ne va pas créer justement la nature décentralisée, mais distribuée, avec genre une dizaine de très gros nœuds qui peuvent voter un peu partout? Il y aura forcément des nœuds plus gros que les autres. Le fait d'avoir des ressources matérielles, d'être connecté correctement, d'être online 24h sur 24, bah, c'est pas quelque chose qui est facile à faire chez vous. Comme tous les réseaux, les nœuds ne seront pas équivalents. Il y en aura des plus gros, des plus petits. Mais il y a une différence qui est énorme entre Lightning et le minage, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'effet de seuil, il n'y a pas de ticket d'entrée. Aujourd'hui, le minage est affreusement centralisé sur Bitcoin. C'est vraiment une toute petite poignée de gens qui contrôlent le minage. Et vous avez un ticket d'entrée qui est énorme. C'est-à-dire qu'en théorie, vous pouvez tous miner chez vous si vous voulez. Ne le faites pas. Hein. Vous ne gagnerez jamais d'argent. Si vous n'avez pas des millions ou des dizaines de millions à investir dans du matériel de minage, ce sera en pure perte. Parce que vous avez un effet de seuil qui est lié au fonctionnement de la Proof of Work. Si vous ne trouvez pas de bloc, vous ne gagnez pas d'argent. Donc cette course au bloc, il faut la gagner de temps en temps. Si vous ne la gagnez pas, c'est perdu. Lightning, c'est très différent. Il n'y a absolument pas de contraintes sur les ressources matérielles. C'est un réseau qui est ouvert. Il n'y a pas de permission à demander ou de licence à avoir. Donc il n'y a absolument rien qui va vous empêcher de créer votre nœud Lightning, d'avoir des gens qui se connectent chez vous et qui relaient des paiements. Si c'est un petit nœud, il y aura moins de paiements que sur les gros, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée et il n'y a pas d'effet de seuil. Donc il n'y a pas d'effet qui vont forcer à une centralisation où seulement trois gros nœuds puissent exister. Mais oui, il y aura des nœuds plus gros que les autres. C'est évident et c'est vrai pour absolument tous les réseaux, même pour les réseaux physiques, c'est comme ça. Ça ne va pas poser un problème de... Justement, si ce nœud casse, il y aura une grosse partie du réseau. Oui, c'est pour ça que plus votre nœud va être gros, plus ça va être compliqué de le faire tourner. Et c'est ça qui fait que l'hyper méga nœud ne va pas inspirer confiance. C'est exactement ce que vous venez de dire. Donc on pense qu'il y aura des nœuds plus gros que les autres, mais on n'imagine pas que Lightning soit aussi centralisé que le minage aujourd'hui, par exemple. Ça, pour moi, ne sera pas le cas. Est-ce qu'il y a un lien entre Lightning et les développeurs Bitcoin Core? Non. Non, c'est des. Enfin, il y a deux développeurs Lightning qui travaillent pour Blockstream, mais qui travaillent pas ou très très peu sur Bitcoin Core, mais sinon c'est des gens qui sont indépendants. C'est-à-dire que c'est pas pris en compte sur la roadmap Bitcoin Core, comme si ça n'existait pas. C'est peut-être pas à ce point-là, mais Bitcoin et Lightning sont vraiment complètement indépendants. C'est-à-dire que nous on a besoin de Bitcoin pour fonctionner, mais Bitcoin n'a pas besoin de Lightning pour fonctionner. Et donc, il n'y a pas de... Les nœuds, par exemple, alors, il y a parfois un peu de confusion. Les nœuds Lightning, les nœuds Bitcoin n'ont rien à voir. Ce n'est pas le même réseau pair à pair, ce ne sera pas les mêmes nœuds, ce ne sera pas les mêmes ressources. Et aujourd'hui, il y a relativement peu d'interactions entre la communauté des développeurs Core et la communauté Lightning. Au sein des différents canaux de paiement, comment ça se passe pour les frais de transaction liés au blockchain normal de Bitcoin? Alors, c'est tout le temps, puisque comme quand vous vous connectez à quelqu'un pour un canal de paiement, vous allez échanger les frais qui vous paraissent admissibles sur la blockchain Bitcoin. Donc déjà, si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous vous arrêtez là. Si vous êtes d'accord, vous vous mettez d'accord sur les frais que vous allez payer pour la funding TX pour qu'elle soit publiée. Pareil pour la closing TX. Mais il se trouve que comme les frais Bitcoin peuvent évoluer assez fortement dans le temps, il y a un mécanisme de mise à jour des frais de la blockchain Bitcoin dans le protocole. Donc vous pouvez mettre à jour les frais qui vous paraissent acceptables et qui vont avoir un impact. Je vais revenir. Je vais venir là-dessus. Voilà.
Donc typiquement, ça c'est une vraie transaction Bitcoin, donc elle doit payer des frais pour être publiable à chaque instant. Donc pour ça, Alice et Bob vont régulièrement mettre à jour les frais qui leur paraissent acceptables, et ça permettra par exemple de pruner certaines sorties. Dans une transaction Bitcoin, une sortie qui est inférieure à un certain montant, on appelle ça du dust, de la poussière, et on l'élimine. Aujourd'hui, c'est 542 Satoshi. Typiquement, les sorties qui sont plus petites que la poussière, on va les éliminer. Et les sorties qui permettent pas de payer les fees, on va les éliminer aussi pour pouvoir ajouter des fees. Donc oui, il y a un mécanisme dans le protocole pour que Alice et Bob aient à chaque instant une commit TX qui reste publiable. Après, si les frais deviennent tellement énormes que ça dépasse le montant investi dans le canal, là, on a un autre souci. Mais dans ce cas-là, ils ont plutôt intérêt à ne pas fermer le canal et attendre. Si le Lightning Network est vachement adopté, est-ce qu'il y a pas, ça va vachement réduire le nombre de transactions à valider sur la blockchain? Si c'est vraiment massif. Pas forcément. Il est très possible que Lightning, en gros, prenne une partie des transactions qui ont lieu sur la blockchain Bitcoin aujourd'hui, mais il est aussi très probable qu'elle concerne des cas d'utilisation qui ne sont pas possibles de toute façon avec Bitcoin ou avec autre chose aujourd'hui. Donc les micro-paiements, par exemple, auxquels on croit beaucoup, de toute façon, c'est pas possible avec Bitcoin, ça n'a pratiquement jamais été possible avec Bitcoin. Donc si demain, des gens décident de faire payer des minutes de vidéo, des articles de journaux, des bouts de chansons, ou des images, ou des fontes, ou n'importe quoi. De toute façon, ce n'est pas des transactions qui seront prises, entre guillemets, à la blockchain Bitcoin, parce qu'elles sont pas faisables dessus. Ou si des gens s'intéressent à l'IoT et veulent faire en sorte que les machines se payent entre elles. Donc, c'est les transactions qui iront sur Lightning. Oui, les petites transactions Bitcoin passeront peut-être sur Lightning, sans doute sur Lightning, mais ce n'est pas pour ça qu'on va voler tout le volume de transactions de Bitcoin. Nous, on espère que ça va pouvoir libérer des cas d'utilisation qui sont intéressants et qui ne sont pas faisables aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait voir une évolution des matériels réseau intermédiaires ? C'est-à-dire ? Dans leur technologie de cryptage, ou des choses comme ça, du fait de la masse de ces transactions, ces nouvelles transactions. Ah, je pense que je n'ai pas compris la question. Sur le Lightning, De quelle transaction vous parlez ? De Alice à Bob, par exemple. Ouais. Donc ça, on va voir une explosion de ces transactions. Peut-être. Mais est-ce que vous parlez de l'impact de Lightning sur le trafic Internet ou... De la charge et de ce fait sur les matériels réseau qui sont utilisés actuellement pour... Alors là, je pense que Lightning sur le trafic Internet, ce sera même pas l'épaisseur du trait, au moins pendant des années et des années. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez juste que YouTube vous représente en termes de trafic, mais non. C'est pas avec nos petites transactions qu'on va. Par rapport à au type de données. J'espère qu'un jour Lightning aura un impact visible sur le réseau Internet, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Oui. En tant que consommateur, par exemple, pour payer mon café, je vais devoir ouvrir un payment channel à chaque fois avec les commerçants. Non. Comment je fais pour ne pas en ouvrir? Vous allez ouvrir un canal de paiement. Alors, je vais reprendre mon petit schéma. Là. Si je dois mettre 100 euros d'un coup pour faire des transactions de 1 euro régulièrement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visuel. Enfin, qui est pas... Vous mettez ce que vous voulez. Oui, mais actuellement, avec une CB par exemple, je fais un paiement de 1 euro, je peux le faire régulièrement et je peux attendre mon salaire. Un paiement de 1 euro, ce n'est pas forcément une bonne idée avec une CB. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent ça parce que 10 euros, la transaction est à 30 euros, 30 dollars, 50 dollars. C'est quoi la vision du projet là-dessus pour résoudre ce problème ? J'ai pas compris le problème en fait. Si je fais que dépenser pour un autre professionnel qui fait des dépenses, qui a des rentrées, etc., c'est hyper intéressant. Et pour l'automatisation, c'est intéressant. Mais pour l'utilisateur, pour faire du paiement, un certain montant. Oui. Est-ce que vous imaginez un futur où il y a des sortes de paiements
des payment channels ouverts avec un montant qui est bloqué dessus du coup pour pouvoir faire toutes les transactions pendant un mois par exemple, ou est-ce que c'est quoi la vision ça, ça dépendra de l'adoption de l'UJA. Je pense que ça sera comme un porte-monnaie en fait. Je ne sais pas combien vous avez comme cash dans votre porte-monnaie, mais à mon avis, au moins au départ, l'utilisation de Lightning, ce sera un petit peu comme ça. Donc je mets régulièrement des sous-sur Peut-être toutes les semaines ou tous les mois, vous allez reprendre du cash et puis vous l'utilisez pour payer votre café ou des points dans des jeux ou des choses comme ça. Et la transaction Bitcoin commence à devenir à des montants un peu ridicules, si ça arrive à des centaines de dollars. Ah oui, alors si... Ça devient inutilisable par la plupart des gens. Oui, alors effectivement, si le coût d'ouverture d'un canal Lightning, puisqu'il passe par l'application d'une transaction Bitcoin, devient rédhibitoire, ça va avoir un impact fort sur Lightning. Si ça coûte 100 dollars pour créer un canal Lightning, vous n'allez pas créer un canal Lightning avec 10 euros, je pense que c'est ça la question. Ouais. Oui, il faut que le montant qui est mis dans le canal soit quand même... supérieur aux frais de transaction Bitcoin. S'ils deviennent énormes, oui, on va avoir un gros problème. Mais il n'y a pas que Lightning. Mais oui, alors, effectivement, ça c'est vrai. J'espère que Lightning fera partie des éléments qui font en sorte que les frais Bitcoin vont fortement diminuer dans les mois qui viennent. Vous pensez que qu'il y a déjà une majorité de transactions qui pourraient être mises sur Lightning, parce qu'actuellement, c'est principalement des transactions de... Je pense que beaucoup de transactions de montant inférieur à peut-être 100 dollars à moyen terme, pas tout de suite, mais à moyen terme, pourraient basculer vers Lightning. Ça pourrait être intéressant pour les gens. Sur le réseau, ouais. Et faire baisser tout le monde est gagnant. Oui. Après, une dernière question. On va devoir vous sortir. Et vous pouvez tous aller au spa après un coup et parler. J'en profite sur la question du fork. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une annonce d'un fork important qui est à peu près crédible? Ça va amener à ce que beaucoup de canaux se ferment pour que les transactions qui sont en cours finalement reviennent bien dans la blockchain et que les gens puissent bénéficier du fork. Peut-être. Je pense que s'il y a un... Peut-être, mais je ne pense pas que les gens se précipiteront pour immédiatement... Enfin, supposons que quelque chose se passe comme pour Bitcoin Cash. Alors pour les gens qui n'ont pas suivi, quand Bitcoin Cash a forqué, les gens qui avaient des bitcoins avant se retrouvaient avec des bitcoins sur les deux chaînes. Je ne pense pas que les gens, enfin, ça n'a pas été le cas des gens que je connais, soient précipités pour immédiatement échanger leurs bitcoins contre des Bitcoin Cash à l'époque. Tout le monde a regardé un peu voir ce qui se passerait, et je pense que ça se passerait comme ça aussi. Mais fermer un canal Lightning, c'est rapide. De toute façon, en pratique, dans le pire des cas, ce sera au maximum une journée pour récupérer ses fonds. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un gros problème. Et les fonds ne seront pas bloqués pendant un mois, si c'est ça l'inquiétude. Non, c'est dans l'approche où ça peut un peu casser le réseau, parce que beaucoup de gens ont ce comportement mimétique de dire « je veux mon Bitcoin, du coup je casse », et du coup pendant quelques temps, ça peut mettre sous contrainte pour le réseau. Oui, alors c'est... Si un million de personnes décident de publier toutes au même moment une transaction, mais c'est déjà le cas avec Bitcoin aujourd'hui, malheureusement, oui, vous avez un problème. Ok, merci beaucoup.